Des fois, je me dis que les plantes communiquent, qu'elles ressentent l'intention, qu'elles perçoivent le danger et se transmettent l'information, qu'elles ont chacune un rôle, une fonction principale, et que l'homme néglige bien trop l'intelligence végétale. Je crois en une énergie qui parcourt l'univers, qu'on appelle le chi, le prana ou bien les ondes scalaires, et qui circule partout, dans le vivant comme dans la pierre, et dont seuls les plus connectés ont percé le mystère. D'ailleurs, les pyramides en étaient certainement les capteurs, et des Mayas jusqu'aux Celtes, on en adulait la grandeur, le nombre d'or, pi, la vitesse de la lumière et le maître. Qu'ont-elles encore à nous transmettre, à nous qui nous sentions déjà si petits et si seuls devant l'apparition magique d'un immense crop circle? Mais bon, Dieu merci, toutes ces théories ne tiennent pas debout. Aucun doute, je suis fou. Si je crois en une énergie que l'on retrouve partout, je suis fou. Un collier de 108 perles autour de mon cou, je suis fou. Il y a l'amour, la source, ainsi qu'une autre force en nous. Je suis fou. Quand je dis que nous ne sommes qu'une infime partie d'un grand tout. Et si la pensée ne provenait pas de nos têtes, mais de quelque part, un peu plus loin, ce qu'on appelle l'âme peut-être? Et si nos plus lointaines erreurs dataient des Sumériens? Ce que ne disent pas les tablettes, ni les historiens, je ne sais rien. De tous les dieux et de tous les maîtres dans les légendes d'antan, quelle est la part de métaphore dans l'Ancien Testament? J'ignore tout de la physique quantique et des secrets d'Elohim, ou du pourquoi de ces vestiges et de ces crânes humanoïdes. Mais je sais que l'eau a une mémoire, qu'elle peut nous guérir. Chacun de nous a des pouvoirs qui lui appartient d'acquérir, celui d'apprendre à élever sa fréquence de vibration. Chaque être humain ici-bas est guérisseur à sa façon. Et s'il y a de la vie ailleurs qu'à la surface de la terre, qu'est-ce que j'y peux si Lucifer signifie le porteur de lumière? Une autre vision des choses, mais qui ne tient pas debout. C'est certain, je suis fou. Si je crois en une énergie que l'on retrouve partout, je suis fou. Un collier de 108 perles autour de mon cou, je suis fou. Il y a l'amour, la source, ainsi qu'une autre force en nous. Je suis fou. Quand je dis que nous ne sommes qu'une infime partie d'un grand tout. Je lève les yeux au ciel, contemple les détails. Je voulais réciter des mantras, mais je compte plutôt les chemtrails. Puisqu'on modifie le climat, excluant toute logique, on cherche à contrôler le peuple grâce aux nanotechnologies. Heureusement, dans un entre-deux qui peut paraître flou, dans les moments les plus délicats, les ovnis veillent sur nous. Paraît même qu'ils nous escortent chaque fois que l'on transporte la bombe. Moi je ne suis qu'un humain, et parfois j'en ai honte. Et peu importe où se trouve cette foutue vérité, peu importe si la face cachée de la lune est réellement habitée, je sais bien qu'il existe des dimensions parallèles, qu'on ne sait rien de la théorie des cordes aux failles spatio-temporelles. Les trous noirs, l'homme augmenté, les cellules souches, les signaux qu'on tente d'envoyer à une lointaine planète rouge, non. Je prie pour que ce que je vous dis ne fasse pas sens pour vous. Laissez-moi croire que je suis fou. Si je crois en une énergie que l'on retrouve partout, je suis fou. Un collier de 108 perles autour de mon cou, je suis fou. Il y a l'amour, la source, ainsi qu'une autre force en nous, je suis fou. Quand je dis que nous ne sommes qu'une infime partie d'un grand tout.